messieurs, on va finir vos market movers avec GTT. GTT, plus forte hausse du SBF 120 hier, on l'a vu dans nos actus. La hausse, le remplissage du carnet de commandes en est évidemment la raison principale. Du coup, de 96, on peut regarder jusqu'où, selon vous ? Bah justement, sur GTT, on est vraiment à la limite du signal. C'est ça que j'ai trouvé intéressant hein, sur le titre, avec ce très important gap haussier et les cours qui sont maintenant au contact de la résistance clé autour des 96-96-50. C'est vraiment ce niveau-là qu'il faut surveiller sur GTT. On le voit bien depuis mars, hein, les cours évoluent à plat au sein de cet intervalle, donc limité par 96-50 en borne haute. Et puis 86,30 en borne basse, on a donc un intervalle de 10 euros. Lorsqu'on sort par le haut d'un intervalle de 10 euros, ben on a 10 euros à prendre. Hein. Donc ça nous envoie aux alentours des 106, 104,73. J'ai un sommet de février, ça serait une cible naturelle. Ça améliorerait quand même considérablement les perspectives hein, de GTT, parce que franchir une résistance avec un gap, c'est toujours un élément que l'on aime bien. Il manque quoi ? Il manque le signal, il manque la clôture hein, au-dessus de ce niveau, on ne l'a pas encore. On essaye hein, ce matin, ouverture 96-30, vous voyez, on est à la limite de le donner, ce signal, mais donc c'est un titre à surveiller pour avoir retrouvé un petit potentiel d'accélération. Un petit potentiel d'accélération, et si jamais donc le titre, s'il en clôture, le titre ne franchissait pas allègrement, puissamment les 96-50, il retournerait ce que vous nous dites probablement vers les 86-86-50. Globalement. Le problème, c'est que lorsque l'on ouvre un gap haussier et qu'on ne franchit pas une résistance, donc quand on ouvre un gap au final au sein d'un intervalle, si ce gap ne permet pas de franchissement de résistance, c'est qu'il n'est pas impulsif. S'il n'est pas impulsif, eh bien on doit au minimum revenir le combler, voire éventuellement retourner sur le bas de l'intervalle. C'est que le mouvement haussier est repoussé dans le temps, la nouvelle ayant provoqué le gap n'étant au final pas susceptible de relais des acheteurs. Donc on revient chercher, on annule tout et puis on recommence, donc on retourne en bas. Donc voilà, ça c'est le risque. A priori, c'est pour ça que attendre cette clôture n'est pas forcément inintéressant.